Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo courte de Diablo. Hein. On va faire une petite partie théorie et analyse concernant ce qui pourrait arriver sur Diablo 4. Je sais, ça fait un moment que j'ai pas pu sortir de vidéo sur Diablo, donc j'en profite un petit peu, sachant que pour ceux qui s'inquiètent un petit peu, il y aura également des vidéos sur Diablo 2 Resurrected, notamment l'analyse des cinématiques. Donc voilà, il va y avoir du contenu Diablo. En attendant, on va parler de ce sujet puisque c'est une question qui revient très souvent, que ce soit en stream ou sur YouTube. On me pose souvent la question, est-ce que tu penses, malgré que Diablo sera de retour dans Diablo 4 ? Et au final, c'est une question qui est totalement légitime. Et mon objectif dans cette vidéo, c'est pas forcément de vous donner une réponse définitive en mode oui ou non. L'objectif, c'est d'essayer de voir un petit peu... Enfin, faire des théories, c'est bien, mais... Il faut essayer d'avoir un raisonnement un peu scientifique. Quand on fait des théories, on essaye de s'appuyer sur des faits, des choses, soit des exemples, tout simplement des exemples dans le passé ou des choses qui... des éléments qui peuvent nous aiguiller un petit peu sur ce qui peut arriver. Donc évidemment, ne prenez pas ça au pied de la lettre que je vais vous dire, je vais essayer de vous exposer les différentes possibilités. En l'occurrence, c'est une question, comme j'ai dit, ouverte. Et à mon sens, il y a trois véritablement possibilités. Donc honnêtement, voilà, l'objectif c'est vraiment de voir ce qu'il en est. Et on va commencer par la théorie, je dirais, la plus probable. Hein, j'ai fait un classement. La théorie la plus probable, c'est que, oui, Diablo pourrait, je dis bien pourrait, hein, le conditionnel c'est vachement important, pourrait revenir dans Diablo 4. Et ce, pourquoi? Tout simplement, la licence déjà s'appelle Diablo. Diablo, hein... faut qu'il soit là, c'est sur le papier, hein, Diablo, la licence Diablo. Et est-ce que, par exemple, par rapport aux précédents opus de Diablo, est-ce que Diablo a toujours fait un coucou? Eh bien, la réponse est oui. Diablo 1, il est le boss final de l'extension. Diablo 2, l'objectif, c'est de poursuivre, justement, Aidan, le rôdeur noir, qui abrite en son sein Diablo, et finalement, on le bat en enfer après avoir fait le passage en Pandémonium. Ensuite, dans Diablo 3, eh bien, on le bat également dans les cieux au moment où il fait sa métamorphose en tant que le mal primordial, hein, le démon primordial, donc The Primeval en anglais. Et au final, eh ben, on suppose, on est quasiment certain que Diablo fera son apparition dans Diablo Immortal, puisque vous voyez ici, j'ai pas choisi cette image au hasard, c'est tout simplement un des artworks officiels de Diablo Immortal. Je pense pas qu'il se soit... C'est quand même des artistes qui sont probablement payés des milliers d'euros. C'est pas pour rien, à mon avis, qu'ils se sont cassés le cul à faire cette artwork. Et l'objectif, je rappelle, dans Diablo Immortal, pour le moment, la grande menace qui est teasée avec Diablo Immortal, c'est Skarn, le héros de Diablo. Et l'un de ses objectifs, ce serait potentiellement de... Enfin, ce serait de ressusciter Diablo. Donc, pour le moment, on n'est pas encore... Je peux pas vous dire à 100% qu'il sera dans Diablo Immortal... Mais il y a un bon 90%, voire on peut monter encore, hein, 95% de chance de voir un Diablo, voire probablement même boss final de Diablo Immortal. Donc, pour le moment, les 4 opus de Diablo ont vu Diablo être présent. Vous allez me dire, merci Captain Obvious, jusque-là, rien d'anormal. Mais un bémol, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue histoire, c'est à la fois compréhensible et incompréhensible, puisque Diablo... c'est l'un des 3 démons primordiaux et l'un des 7 seigneurs démons. Donc, je rappelle, hein, les 3 seigneurs démons, les 3 démons primordiaux, vous avez Diablo, Baal, Mephisto. Et ensuite, il y a ils sont 7 au total avec les donc 7 seigneurs démons, hein, qui sont tous nés des têtes de Tatamet, hein, vidéo sur l'éternel conflit, tout ça, tout ça. Donc, aux côtés des autres 4 seigneurs démons, c'est Andariel, Duriel, Belial et Asmodan. Et au final, eh bien, c'est vrai que... on les a tellement tapés. Je veux dire, dans Diablo 1, mine de rien, c'est peut-être probablement l'opus qui respecte le plus un seigneur démon, puisque au final, Diablo 1, on tape tous ces sbires, qui sont pour la plupart d'ailleurs des humains, pas vraiment des démons, hein. Vous avez le boucher bien sûr en exception, mais ensuite c'est Lazare, c'est Léoric, ça c'est des mortels. Donc Diablo, c'est le boss final. Boss final, hein, et je rappelle en plus, Diablo habite le corps d'un enfant, Albrecht. Alors certes, c'est un prince, mais ça reste un enfant. Donc au final, Diablo n'est pas vraiment libéré à son plein potentiel, etc. Donc au final, la menace est extrêmement réelle. On te montre un Diablo nerf qui, malgré son côté nerf, arrive à chambouler le destin d'un royaume. C'est pas rien, c'est pas rien. Arrive Diablo 2, et je sais que je touche au Saint Graal Diablo 2, et j'ai beau adorer l'histoire de Diablo 2, il y a quand même des failles. Le problème dans Diablo 2, à mon sens, c'est un peu un safari des seigneurs démons. On va pas se mentir, alors certes, ils étaient déjà évoqués un petit peu dans Diablo 1, mais quand même, notamment dans le manuel Diablo 1, mais dans Diablo 2, acte 1, Andariel,
Et à la limite, en Dariel, bon, elle est plutôt bien amenée, plutôt bien traitée, etc. Même si on sait pourquoi, on sait toujours pas pourquoi elle s'est alliée avec Diablo. Hein. Il y a 2-3 pistes, mais bon, c'est pas vraiment dit. Ensuite, acte 2, ça c'est probablement la pire honte de Diablo 2, c'est Duriel, qu'on a mais explosé, on sait même pas ce qu'il foutait là, quoi. Il s'est allié, alors c'est pareil qu'Andariel, vu qu'ils sont jumeaux, bah voilà, bon, ça se voit pas trop, mais ils sont jumeaux. Duriel, pour le coup, lui, il a suivi sa sœur, hein, et il sert Diablo, mais alors, il est au fin fond de sa caverne, etc. Bon, c'est compliqué. Ensuite, bah, on va battre Tal Rasha, du coup, enfin, on va battre surtout Mephisto. Mephisto, qui pour le coup, lui, il avait été plutôt bien amené, puisque Mephisto, bah, c'est en fait, en gros, le responsable de Diablo 1 et celui qui a retourné toute la religion. C'est comme s'il avait retourné la chrétienté contre elle-même. Donc, pour le coup, Mephisto, c'est clair qu'il a été bien vendu et c'est un petit peu le, j'ai envie de dire, le mastermind, hein, le grand génie de Diablo 2, celui qui avait tout prévu. Et au final, bah, c'est vrai que le boss Diablo, c'est le boss de fin, tout simplement, de Diablo 2, mais au final, eh ben, le véritable boss de Diablo 2 avec l'extension Lord of Destruction, bah, c'est tout simplement Baal, en fait. Et c'est Baal qu'on voit direct avec la première cinématique et autres. Donc, au final, Baal est assez, assez crédible, même si, encore une fois, ça fait que sur les 7 seigneurs démons, Diablo 2 t'en détruit 5. Ça fait beaucoup, quand même, hein. Arrive Diablo 3, Diablo 3 tu détruis les deux seigneurs démons restants, Belial et Asmodan. Asmodan pour le coup on l'avait plutôt bien vendu, alors hors du jeu hein, je parle, puisque bah au final c'est le mec qui avait réussi à provoquer l'exil noir et dégager les trois seigneurs démons principaux qui régnaient sur les enfers avant. Donc pour le coup c'est plutôt pas mal, Belial c'était aussi avec l'aide de Belial qu'Asmodan avait réussi, donc là-dessus c'est plutôt bien fait. Et au final Asmodan est devenu le grand roi des enfers en dégageant Belial. Donc Asmodan avait plutôt été bien teasé, et je le rappelle, même s'il est côté ridicule, vidéo sur Diablo 3, il est traité de manière ridicule, Asmodan, en jeu. Même en jeu, en fait, si vous rejouez à Diablo, la cinématique du cratère d'Erat, on te vend vraiment Asmodan comme le seul mec qui a tout compris dans ce qui était en train de se passer. Donc au final, s'il n'y a pas eu le Nephalem, bah, il allait gagner, en fait. Enfin, il avait vraiment bien joué le coup, pour le coup. Parce que même Belial, on peut dire ce qu'on veut, mais Belial, il avait Asmodan au cul, hein, donc... Asmodan, au final, a été plutôt bien traité, même si c'est vrai que malheureusement, la mise en scène est parfois ridicule, etc. Donc, et surtout, on a du mal à vraiment comprendre Asmodan. Mais pourtant, Asmodan est quand même bien, bien traité, entre guillemets, dans Diablo 3. Et au final, bah, dans Diablo 3, on retrouve Diablo à la fin, en démon primordial, etc. Donc au final, eh ben, on commence à avoir cette petite lassitude. Heureusement, dans Diablo Immortal, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu à l'image de Diablo 1 sur uniquement du seigneur démon. On va tuer Baal, certes, mais ce sera sous forme de flashback avec l'exil noir, ce que je trouve être une excellente idée. Attention à pas tomber dans le piège de Warcraft et ensuite à faire des extensions sur le voyage dans le temps et tout ça, tout ça. Si on s'arrête juste au côté caverne du temps, moi ça me va très bien avec, les quêtes de la bibliothèque dans Diablo Immortal. Ça peut être vraiment très intéressant pour le fanservice sans briser pour autant l'histoire, puisque c'est juste le passé en fait. Et ce qui est intéressant avec Diablo Immortal du coup, c'est qu'on va mettre en avant Skarn, le héros de Diablo, et du coup Diablo redevient le boss final. Pour le moment, on nous a pas vendu d'autres seigneurs démons, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais des boss qu'on a vus, c'est pas du tout ça, on revient sur du Diablo 1 avec des sous-fifres on va dire de Diablo, afin justement de faire monter l'histoire, de faire progresser un petit peu le truc. Et l'apothéose, le bouquet final, c'est de détruire le seigneur démon. Maintenant, moi ce qui me gêne un petit peu aussi, c'est que ça ferait 4 opus où on tue Diablo. Et la menace, bah, encore une fois, elle perd en crédibilité. Ça reste un seigneur démoniaque, c'est censé être un truc qui peut amener la fin des temps, l'apocalypse. Donc c'est pas ridicule, ça devrait pas être traité sous forme de ridicule. D'un autre côté, vous auriez tout à fait raison de m'arrêter en disant, Malga, il y a une grande métaphore avec Diablo, c'est l'idée que le mal ne peut être vaincu. Dans Diablo 1, on arrive à vaincre le démon, mais au final, le seigneur démon, mais au final, on y laisse notre âme. Et au final, bah, Diablo a quand même gagné. Dans Diablo 2, c'est peut-être au final l'opus qui a le... Souvent on dit, alors c'est pas l'objectif de taper Diablo 2, c'est vrai que ça donne ça, et j'aime beaucoup Diablo 2 encore une fois. Mais c'est vrai que Diablo 2 parfois est un peu trop mis sur un piédestal par une partie de sa communauté en tout cas. Diablo 2, si on s'y regarde, parce que souvent Diablo 3 est dit un peu cucu et moins dark. Et d'ailleurs la plupart des gens attendent Diablo 4 en disant « Ah ça sera du vrai Diablo, sera comme Diablo 2, plus dark, etc. » ce qui est drôle, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais au final, bah, Diablo 2 est celui qui a connu le meilleur happy ending, en fait. et c'est le temps détesté Diablo Immortal qui va redonner un petit peu de noirceur à Diablo 2, avec l'idée que bah, la destruction de la pierre monde a quand même ramené des trucs vénères, mais sur le papier, Diablo 2, c'est probablement l'opus qui a eu la meilleure fin, quoi, dans le côté happy ending, une fin heureuse, on va dire.
Donc, la menace, d'un autre côté, il y a cette métaphore du mal qui ne peut être vaincu. Dans Diablo 2, bah, ça n'a pas suffi. Dans Diablo 3, bah, ça arrive même à corrompre les anges. Donc, au final, on n'arrive vraiment pas à le battre. Donc, même si on farme en permanence Diablo, si on garde à l'idée que c'est la métaphore du mal qui ne peut être vaincu, et même si tu le bats, il reviendra forcément, ça donne aussi un certain charisme à Diablo. Donc, ça va, ça passe. À côté de ça, donc revenons un petit peu, hein, comme je l'ai un peu sous-entendu et même dit, il faut rappeler que Diablo a toujours été le boss de fin de chaque opus avant extension. Je précise, avant extension. Boss de fin de Diablo 1, boss de fin de Diablo 2 avant Lord of Destruction, et boss de fin de Diablo 3 avant Reaper of Souls. Donc au final, ça a toujours été le maître. Et d'ailleurs, si vous regardez le teasing, le battage médiatique et publicitaire, bon bah Diablo 1 c'est directement le boss de fin. Diablo 2, bah on voyait surtout bah, le crâne avec le rôdeur noir, et le rôdeur noir qui était l'avatar de Diablo, donc le véhicule de Diablo sur Sanctuaire. Donc au final, c'est un teasing de Diablo. Et Diablo 3, bah avant Reaper of Souls, parce que maintenant on a en tête Maltel, tout ça, mais avant, et bah, c'était Diablo en fait. Hein. Diablo 3, on voyait vraiment Diablo. Ce qui d'ailleurs était peut-être un peu une connerie, mais on voyait Diablo. C'est plutôt Tease Asmodan, je pense, pour donner l'impression que c'était la fin. Mais bah, du coup, on voyait Diablo, donc on pouvait sous-entendre une fin de Diablo. Ce qui n'est pas du tout le cas, et dans Diablo Immortal, vous l'avez vu, on voit Diablo, on voit Diablo. Donc Diablo est toujours montré. Diablo 4, pour le coup, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, à l'inverse, dans Diablo 4, on nous tease Lilith. Je vous ai pas montré cette image-là, et maintenant que je suis en train de le dire, je le regrette presque. Mais on a Lilith, la statue de Lilith, et la statue que j'ai pu voir à la BlizzCon 2019 en forme géante. Lilith tient le crâne de Diablo. C'est presque en mode, c'est de l'histoire ancienne, c'est moi maintenant. Donc, est-ce que, en fait, Diablo est un boss, mais qui cette fois se veut caché pour Diablo 4? En mode, on pense que ce sera Lilith le boss final, mais ce ne sera pas Lilith, ce sera Diablo. Est-ce que ce serait vraiment Lilith le boss final du jeu de base, et qu'on retournerait justement peut-être plus sur un Diablo en extension, ou un autre démon en extension? Puisque Diablo, au final, même si j'ai dit que c'était le boss final, il n'y a que vraiment dans Diablo 1 où c'est le boss final. Vous allez me citer l'extension Hellfire. Hellfire n'est pas canonique dans le lore de Diablo. Donc, elle n'est pas dans le canon officiel. Donc, non, ça ne compte pas. Donc dans Diablo 1, effectivement, c'est bien le boss final. Mais comme je l'ai dit, bah dans Lord of Destruction, c'était pas Diablo le boss final, c'était Baal. Et dans Diablo 3, avec Reaper of Souls, c'était Maltael. Donc, on pourrait y voir justement un changement de cap par rapport à la licence Diablo. Donc il pourrait être là, il y a la réponse en mode, il est là, mais pas sous la forme attendue, pas sous un côté vraiment « je suis là, je vais vous détruire ». Peut-être plus un Diablo qui serait du coup présent, mais sous forme indirecte, via des flashbacks, via une voix off, ou par exemple sous forme d'esprit, et par exemple via aussi Léa, c'est pas pour rien que je vous ai mis Léa. Léa, on nous en a pas mal parlé, et bien sûr les fans demandent hein, où est Léa. On a eu la réponse en interview, Léa est en enfer. D'ailleurs, le skin d'Heroes of the Storm, je le répète encore, hein, Heroes a amené beaucoup de lore à Diablo au final, hein, malgré ce qu'on pourrait croire, vu qu'on se dirait bah c'est pas canon, tout ça, c'est pas dans le canon. Un peu à l'image d'Hearthstone pour Warcraft, ça ramène aussi des éléments qui seront repris dans le canon de Diablo, puisqu'il est aussi surveillé par les scénaristes des différents univers. Et du coup, eh bien, on voit justement, on entend Léa, en fait, qui crie un appel à l'aide, mais qui est très vite étouffée par Diablo. Donc au final, ça répond bien aussi à ce qu'ont dit les devs en interview, c'est-à-dire que Léa, son âme, est en enfer. Et que peut-être, on irait la sauver ou pas. Ça, pour le coup, c'était une question qui était ouverte. Et on pourrait également le voir, donc comme je l'ai dit, sous forme spectrale, on va dire. Il pourrait rôder, essayer d'influencer les choses, ou bien tout simplement par la forme de serviteur. Encore une fois, un héros, un champion, Skarn ou un autre, hein, Skarn, la menace de Diablo Immortal, ou sous une autre, sous un autre démon, hein, tout simplement. Pourquoi pas Izual aussi, hein, l'ange démoniaque. Enfin, on pourrait voir pas mal de monde, en fait, pas mal de monde pour représenter Diablo. À côté de ça, moi j'aime bien l'idée aussi qu'il revienne sous forme passive, on va dire, sous influence, et pourquoi pas le voir en spectre qui essaierait d'influencer les choses. Ou même sous forme, par exemple, d'exorcisme, où il aurait exorcisé quelqu'un, enfin, il aurait possédé quelqu'un. Ça pourrait être aussi une idée. Donc, pas sous sa forme de plein potentiel, mais sous forme humaine, on va dire. Mais il y a une autre théorie qui pourrait arriver, comme je l'ai un petit peu sous-entendu juste avant, c'est un Diablo totalement absent de Diablo 4.
Encore une fois, vous allez me dire, bah ouais, mais la licence Diablo, c'est Diablo, quoi. S'il n'y a pas Diablo dans Diablo, c'est un peu bizarre. Ce que je comprends tout à fait. Et il y a vraiment une rupture actuellement dans la communauté Diablo. Certains en ont marre d'affronter toujours Diablo et seraient contents que Diablo n'apparaisse pas dans Diablo 4. De l'autre côté, tu as ceux qui disent, bah non, un Diablo sans Diablo, c'est plus vraiment un Diablo. Et Diablo, bah faut pas oublier que c'est le nom espagnol et c'est le dérivé latin, tout simplement. Et ça, en italien d'ailleurs, c'est Diabolo. C'est... Et nous, on dit Diable. Diablo, c'est tout simplement le nom de Diable. Et il y en a 7 des diables, au final. C'est les 7 seigneurs démoniaques. Donc, Diablo, dans le lore, il est pas, il reste toujours très intéressant. Et en tant que représentation, je dirais, du cauchemar, de l'épouvante, de la peur, bah forcément, il a une place très importante. Parce que n'importe quel être humain est victime de la peur. Mais à ce titre-là, il n'est qu'un égal parmi les 3 seigneurs démons, ses frères directs, Baal et Mephisto. Parce que bah, tout être humain cache aussi en lui un peu de colère, un peu de haine, mais aussi une part de destruction. Donc au final, il est l'égal de ses frères directs, et même des seigneurs démons qu'on appelle, qu'on juge inférieurs, les 4 autres seigneurs démons que j'ai déjà listés avant. Donc au final, bah, tu peux tout à fait avoir un Mephisto ou un Baal, et Diablo 2 à ce niveau-là a rendu énormément hommage et a montré et a appuyé. En fait, en vous disant que Diablo 1, bah, vous pensiez que Diablo était une menace si importante et si forte que ça. Oui, Diablo 2 n'a pas non plus marché sur l'histoire de Diablo, hein, en disant, bon, Diablo c'était de la merde en fait, parce qu'au contraire, on te le vend comme dans Diablo 1, il était sous la forme d'Albrecht, c'était pas énorme. Là, maintenant, il est dans le rôdeur noir, donc il a gagné encore plus en force. Là, Mephisto apparaît comme le génie, le grand stratège, le grand tacticien, le fin politicien des démons. Et de l'autre côté, t'as Baal qui apparaît un petit peu. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il a, c'est le destructeur, mais qui est aussi quand même très malin et très intelligent. Donc les deux autres sont très bien vendus aussi, et on pourrait tout, moi personnellement je verrais bien tout à fait un opus au final Mephisto serait presque l'unique menace, enfin pas l'unique menace, mais je veux dire vraiment la grande menace qui tire les ficelles, ou même un Baal. Je pense pas que ce soit déconnant, et ce serait pas du tout craché sur Diablo que de voir Mephisto ou Baal au très haut niveau. Et encore, il faudrait aussi arrêter ce matraquage des démons inférieurs. On sait déjà quand Dariel sera là. On a vu Duriel également dans les trailers. Malheureusement, là, on revient sur du Diablo 2 parce que bah, c'est aussi une grosse critique qui est revenue sur la communauté. Remet toujours vraiment Diablo, la communauté de Diablo met énormément Diablo 2 au-dessus de tout. Donc on essaye, les devs forcément s'inspirent de Diablo 2. Et on sait déjà qu'on va tabasser Duriel, on l'a vu en boss. Et en Dariel, bah, un petit peu aussi. Donc il y a des artworks, etc. Donc j'ai l'impression qu'on va plutôt revenir sur de la chasse aux seigneurs démons. Et ce que je trouve un petit peu dommage malgré tout, parce que bah au final, seigneur démon, c'est pas de la gnognotte, quoi. C'est pas de la merde. Donc si tu fais un tableau de chasse des seigneurs démons, bah ça minimise un petit peu leur importance, je trouve en tout cas. Sachant que voilà, en adversaire, il n'y a pas que les seigneurs démons non plus. On a bien sûr bah, Lilith, hein, Lilith qui est une princesse démoniaque au final. C'est la fille de Mephisto. J'adore cet artwork d'ailleurs. Et Lilith bah, pourrait être la méchante ultime de Diablo 4, même si vous avez regardé, normalement vous avez regardé mes autres vidéos sur Diablo 4 et vous savez quelle est ma théorie concernant Lilith. C'est le mal. Pour moi, il y a de grandes chances qu'on arrive. Alors, ça pourrait tout à fait être le méchant en finale, hein, et faudrait pas être déçu si c'est pas le cas. Mais enfin, faudrait pas être déçu si c'est le cas plutôt. Mais personnellement, par rapport à ce qu'on connaît de Lilith, je pense que ce serait dommage. Et je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant à faire avec Lilith. En mode, c'est le mal nécessaire. Donc à un moment donné, on va probablement lui casser la gueule. Mais Lilith pourrait être aussi celle qui pourrait être la sauveuse de l'humanité face au seigneur démon. Et qui pourrait être justement celle qui nous incite à faire de la chasse aux démons. Mais elle voudrait quand même des trucs qui sont pas forcément en adéquation avec nos projets aussi en tant qu'être humain. Donc Lilith, à mon sens, peut ramener cette nuance en fait, qui est très très intéressante et qui à mon avis est nécessaire pour Diablo. Parce que bah, les 7 seigneurs démons, sinon, c'est des gros cons et il faut les taper, quoi. Donc Lilith, à ce niveau-là, pourrait être intéressante et amener un peu plus de nuance à la licence. Sachant qu'en adversaire, bah, comme je l'ai dit, il y a aussi les Néphalèmes, hein, bien sûr, les Néphalèmes de Diablo 3 ou d'autres Néphalèmes. Hein, Zoltun Kul a déjà été un peu perçu en tant que Néphalem. On pourrait affronter du Boulkatos ou d'autres, pourquoi pas du Ratma ou autre, hein, bien sûr. Même si pour le moment, Ratma, ça semble pas vraiment. Ça doit plutôt être un défenseur qu'un adversaire. Et enfin, bah, évidemment, les anges. Hein, les anges. Alors j'espère pas qu'on tombera dans le Imperius très 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 vilain. Je trouve que Diablo 3 a rendu vraiment honneur à Imperius en le montrant à la fois très con, mais aussi susceptible
d'épargner l'humanité, notamment avec son arc dans Reaper of Souls, que je trouve vraiment super bien écrit, vraiment très intéressant. On aurait pu tomber dans ce piège et on n'est pas tombé dedans, et ça j'aime beaucoup. Enfin bon, dans Diablo on manque pas de vilains, hein, clairement on manque pas de mecs sur lesquels tabasser. Alors je pense que j'ai déjà un petit peu évoqué, l'objectif de cette vidéo c'est pas de faire une vidéo longue, donc voilà, on a trois grandes possibilités: Diablo revient mais sous forme passive, ou Diablo ne revient pas, et on va essayer de mettre l'accent sur d'autres menaces, histoire justement d'aérer un peu la licence. Et personnellement, eh ben, j'aime bien le fait de rendre, encore une fois, j'en ai parlé un peu avant, je me suis spoil, mais de rendre les seigneurs démons plus crédibles. Et ça, par exemple, eh ben, moi je trouve, ça passe aussi par justement rendre les autres seigneurs démons plus crédibles, mais aussi leurs lieutenants. En tant que seigneurs démons, ils ont tout un territoire en enfer, avec des généraux, avec des lieutenants, avec des champions et des héros démoniaques. Et bah, sur le papier, tu peux rendre le seigneur démon beaucoup plus impressionnant si tu glorifies ses généraux. Parce que si les généraux sont violents et font méga flipper et sont une grosse épine dans le pied, bah, par extension, ça veut dire que son boss, il est au-dessus, quoi. Donc, ça passe aussi par une glorification des serviteurs des seigneurs démons. Et c'est ça que j'aime bien avec Diablo Immortal, par exemple, comme je l'ai dit un petit peu au début, avec l'idée qu'on va pas affronter de seigneurs démons, c'est plein de serviteurs de Diablo, notamment un démon créé pour l'occasion, Skarn qui est le grand héros de l'effroi, enfin de la peur, le grand héros de Diablo. Donc ça, je trouve ça très intéressant, la création d'un général propre à Diablo qui est Skarn. Alors faudra faire attention à expliquer que probablement c'est parce qu'on l'a battu à Diablo Immortal, qui revient pas si vite, tout simplement dans l'Armageddon, je dirais, de Diablo 3. Parce que sinon ce serait un peu con que son bras droit soit pas là, donc ça pour le coup on peut tout à fait l'expliquer. Mais j'aime bien la création de Skarn, plus il a un design qui est assez sympa, mais j'aime bien les créations de Skarn dans l'idée, voilà, on veut glorifier Diablo. Et ça passe par un grand lieutenant qu'on vient de créer, et s'il est bien créé, il y a moyen qu'on respecte et qu'on apprécie beaucoup ce personnage. Et par exemple, on sait qu'Asmodan a ses 7 généraux, chacun représente un péché, on peut passer par là aussi pour Asmodan, mais Andariel, Duriel, etc. Il y a moyen de faire des trucs. Et même par exemple, c'est con, mais Mephisto c'est déjà le cas, la création de l'élite, qui est la fille de Mephisto, mais également Lucien, qui est son fils, bah instantanément, ça te montre que, putain, Mephisto, il pèse quand même. Donc, ce genre de choses, c'est pour moi une très bonne idée. Même si, bon, il y a encore une fois, je dis ça, il y a de grandes chances que Diablo revienne dans Immortal, mais voilà, en tant que boss final, un petit peu à l'image de Diablo 1, et vraiment en mode, bah avant, on affrontait ses lieutenants pour une progression, je dirais, dans l'histoire, et une ascension vers le boss final, qui est un seigneur démon. Moi, je préfère qu'on évite la liste des courses, si possible, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, cette vidéo, j'avais pour vocation qu'elle soit courte. J'espère ne pas avoir été trop long et trop rébarbatif ou embêtant. J'espère que cette vidéo vous plaît. Je voulais aussi, avec cette vidéo, en profiter pour faire du Diablo, parce que je sais qu'en ce moment, vous devez vous dire, si vous me suivez pour Diablo, vous devez vous dire, ah, c'est chiant, il y a beaucoup de vidéos sur Warcraft. Bon, j'espère quand même qu'elles vous plaisent, si jamais vous les regardez, que ça puisse vous inciter aussi à découvrir Starcraft, l'univers que j'adore. Et c'est vrai que bah, ceux qui me suivent pour du Diablo et du Starcraft en ce moment, ils doivent se dire, putain, c'est beaucoup de Warcraft et pas beaucoup de Diablo. Et au final, je me suis dit, cette petite vidéo théorie et autres, en plus, bah, moi je vous invite à répondre en commentaire, me dire ce que vous préféreriez. Ça me permettrait aussi d'avoir un petit peu un retour communautaire, voir un petit peu ce qui est préféré par les joueurs. Moi je pense que honnêtement les trois sont acceptables, il faut pas bouder si une solution qui n'est pas la vôtre a été finalement choisie. C'est exactement ce que je me dis avec Lilith, hein. Je me dis j'adorerais que Lilith soit la nuance, mais peut-être qu'elle ne sera juste un gros con, une grosse connasse à affronter, hein, c'est possible aussi. Faut pas s'enjailler parce que du coup bah derrière on serait déçu si notre théorie s'avère fausse. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui m'intéresse et ça me permet aussi de faire cette petite vidéo en attendant les plus gros morceaux de lore qui demandent beaucoup plus de temps à préparer, comme par exemple la vidéo sur les barbares que je n'ai pas oublié bien sûr, hein, Sonia et les barbares, et notamment Bulkatos plutôt. Et également je prévois de faire une vidéo spéciale sur Lilith et rappeler un petit peu ce qu'est le Néphalem. Je vois beaucoup de confusion sur le Néphalem et c'est normal, c'est pas si simple que ça. Donc je compte faire des grosses vidéos sur ces deux thèmes, sauf que ça attendra la vidéo sur Mist of Pandaria de Warcraft qui nous demande énormément de temps, sachant qu'il y a beaucoup de vidéos annexes de celle-ci, donc ça nous demande beaucoup de temps. Gardez un petit peu patience et je vous promets qu'après Mist of Pandaria, je ferai une pause sur les vidéos Warcraft. Quand je dis une pause, c'est qu'il y en aura toujours, hein, d'actualité, etc. Mais je bosserai pas sur Warlord of Draenor directement après. On bossera un peu plus. J'essaierai de faire plus de vidéos Diablo et Starcraft en attendant, parce que je sais que vous avez attendu pendant un bon moment. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire vos impressions. Quelles sont les trois grandes possibilités qui vous plaît pour vous, laquelle des trois plutôt. Et je vous dis à bientôt. À Tristram. En fait, je dis à Tristram, mais pas forcément.
Enfin bon. À bientôt et à plus dans le Nexus, évidemment. Salut à tous, c'est Mephisto. Ouais, Mephisto, ouais. Ouais, c'est, je sais, c'est une nouvelle apparence, une nouvelle tête. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de l'autre gros con, là. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, suivre son Twitter, suivre son Facebook. Oui, Mephisto, j'aime bien ce petit mal de délire. Je vais le posséder, salaud. Bisous.